Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Tous les Algérois vous le diront. Alger a été cadenassé aujourd'hui. Les principales artères bouclées, des heures durant. Des dizaines de milliers de gens n'ont pas pu se rendre à leur travail. Des dizaines de milliers d'autres n'ont pas pu vaquer à leurs affaires courantes. Pourquoi? Eh bien parce que le président Bouteflika se déplace, nous dit-on, pour aller inaugurer le nouveau siège d'une zaouïa et aller inspecter le chantier de la grande mosquée d'Alger. J'ai failli dire de la grande mosquée Bouteflika. Ce projet mégalomaniaque, la pyramide du pharaon. Écoutez ce monsieur sur la chaîne Nahar qui encense le mirifique, le phénoménal, le désormais historique grand projet du siècle. Projet du siècle. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mais écoutez. يعني الخطوات العمليه احنا رانا قايمين بها تدشين زاويه كما هذه هذه خطوه عمليه تدشين المسجد الاعظم هذا الصرح كما قلت اللي نروح ونولي ليه اللي راح يشع بنور الاسلام الوسطي ماشي غير على الجزائر على شمال افريقيا وعلى البحر الابيض المتوسط كله ما يظنش الانسان بانه الجزائري اليوم احنا لما نتكلموا على الجزائر الاعظم يقول احنا عندنا 20 الف مسجد القضيه في المسجد الاعظم ماهيش قضيه غير مكان تعصرت طبعا هو مكان تعصرت بالدرجه الاولى ولكنه يعني صرح حضاري صرح حضاري اللي يعني الجزائر تفتخر به والاجيال القادمه راح تفتخر الثقافيه والاسلاميه للجزائر ثالث اكبر صرح اسلامي الجمع الاعظم هذا هو يعني اذا قدرنا نقول بانه يعني يلخص ويترجم الميراث الروحي عبر القرون هذه المتطاوله للشعب الجزائري هذه القرون كلها المتطاوله اليوم الجامع هذا راح يكون يعني يعني واجهه حضاريه مناره تشع بها الجزائر كما كنا عبر التاريخ تشع بها الجزائر على هذا الربوع وعلى افريقيا وعلى حوض البحر الابيض المتوسط Et regardons M. Bouteflika inspecter le projet du siècle. C'est le sud de la ville d'Alger. On va voir au fond le stade de la ville. Sinon, contrairement à l'inauguration de la mosquée Ketchawa, Saïd Bouteflika, le grand prêtre de l'image présidentielle, c'est lui qui dirige les équipes de tournage et de prise d'image et qui sélectionne tous les produits destinés à la diffusion, le grand prêtre donc a décidé de ne pas refaire la même erreur et de ne pas montrer son grand frère sous son véritable jour. Ainsi, nous n'avons vu du déplacement que des voitures, puis quelques images triées sur le volet et qui restent, malgré leur tamisage, très parlantes sur le véritable état de santé du président. Avant de montrer comment ça s'est un peu passé, je tiens à vous signaler qu'aucune photo d'amateur n'a pu être prise. Aucune, ni aucun autre média que ceux sélectionnés n'a été autorisé à filmer ni encore aucun journaliste à prendre des photos, ni aucun citoyen ou quelques personnes présentes sur les lieux à user de son téléphone portable. Personne. Jamais on n'a assisté à une telle censure. Et les titres de presse qui ont rapporté l'événement ont tous mis un bémol, se contentant de rapporter le déplacement de façon neutre. Sans rien nous livrer de la réalité des choses. Rien. Pas un seul journal, pas un seul, n'a osé faire le plus petit commentaire sur cette si grosse farce. C'est pour cela que pour le top 3 d'aujourd'hui, nous ne vous avons sélectionné que les médias du régime, au point où nous en sommes. Les médias du régime ou ceux qui lui sont inféodés. Inutile donc de passer les autres puisqu'ils ne disent rien, pas même d'allusion. L'autocensure fait des ravages. Mais regardons un peu la grande expédition.
voilà, le tout est de savoir d'abord pourquoi cette sortie du grand invalide. Ensuite, ce que signifie ce regain d'intérêt pour les Zawiyas, ce focus sur la grande mosquée Bouteflika. Qu'est-ce que tout cela signifie, puisque dans ces eaux-là, rien ne se passe sans objectif précis. À plus forte raison que déplacer le grand invalide n'est pas de tout repos. À un moment où il est question de vendre l'image d'un président prêt à se succéder à lui-même pour une cinquième fois. Aujourd'hui. APS, le président Bouteflika inaugure le siège de la Zawiya Belkaïdia à Alger. Par la rédaction, l'expression, le président Bouteflika sur le chantier de la Grande Mosquée. Par la rédaction, Algérie 1, le président Bouteflika en visite d'inspection au chantier de la Grande Mosquée d'Alger. Par Qassi Haider. Bouteflika entre Zawiya et Grande Mosquée, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, avec moi ici sur le plateau, Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Merci à toi et merci téléspectateurs. Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP. Merci d'être avec nous, Zoubida Assoul. Merci, c'est Jamel. Bonsoir à vous et bonsoir à vos autres invités. Merci. J'aimerais vous saluer tout de suite, madame, parce que je vous suis un petit peu et je vous tire chapeau. Hassan Hirsch était en train de me dire le plus grand bien de votre personne. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, et Adel Jabbar, avec nous au Canada, qu'on n'a pas encore réussi à joindre, j'espère que nous le pourrons, citoyen algérien à la retraite, néanmoins analyste politique. Hassan, d'abord, c'est quoi ce regain d'intérêt pour les Zawiyates, dont tout un chacun sait quelle a été leur importance dans les campagnes électorales passées, si tant est qu'on peut appeler ça campagne électorale. Hein, c'est... Mais pourquoi revient-on d'un coup où on déclenche une visite de cette importance, ça veut dire pour bloquer tout Alger pendant quasiment toute une matinée? Quand je dis bloqué, c'est bloqué. D'ailleurs, nous allons demander à Zoubida Assoul qui est sur les lieux. Mais pour finalement quoi? Pour aller inaugurer une Zawiya? Une Zawiya, finalement, ça ne reste qu'une Zawiya entre centaines d'autres, des centaines d'autres. Oui. D'abord, il faut rappeler que historiquement, et surtout d'un point de vue anthropologique, la Zawiya, dans notre culture, dans notre religion, c'est un lieu de spiritualité. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu aussi où on guérit certaines maladies, notamment les maladies psychiques. Et traditionnellement, donc, c'est un lieu populaire. Malheureusement, depuis la colonisation, un certain nombre de Zawiyas, pas toutes les Zawiyas, ont été instrumentalisées par les pouvoirs publics pendant la colonisation. Et malheureusement, on assiste aujourd'hui à la même tentative d'instrumentalisation des Zawiyas. C'est-à-dire qu'on est en fait en train de profaner les Zawiyas. Parce que la Zawiya est un lieu, à l'origine, précisément, où est né un contre-pouvoir, contre une espèce d'islam despotique, oriental. L'islam nord-africain, qui est un islam beaucoup plus ouvert, proche de la culture du peuple, eh bien, il a inventé la zawiya contre la medersa, le marabout contre l'imam, les saints contre les khalifs, et je peux multiplier ainsi la réforme spirituelle de l'islam d'Afrique du Nord, qui a pris en compte un islam qui s'adapte. Il faut rappeler que l'islam s'adapte aux cultures locales et donc qui s'est adapté au malikisme d'Afrique du Nord. Et à partir de là, la Zawiya a été un lieu florissant qui a permis justement la prise en main de l'islam par les enfants de cette région. Qui va du sud marocain jusqu'aux confins de la Libye. Donc aussi avec une influence très grande dans les pays
sud africain, la vallée du Sénégal notamment, oui. Le royaume du Ghana, oui. Ainsi de suite. Donc ça a été une réforme religieuse extrêmement intéressante, culturellement positive, et qui a donné naissance donc à l'islam tolérant que nos ancêtres ont transmis n'est-ce pas en même temps un islam assez domesticable par les régimes, les pouvoirs successifs ? Depuis la colonisation, oui, parce qu'on a utilisé la force contre ces Zawiya-là. Parce qu'il faut savoir aussi que ce sont elles qui ont été à l'origine de la révolte. Que ce soit Bouamama, que ce soit Cheikh Al-Muqrani, même l'émir Abdelkader, etc. Oui. Donc ça a été vraiment la résistance contre la colonisation. Oui. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de Zawiya qui résistent contre le pouvoir en place en Algérie et même contre le Makhzen au Maroc, parce qu'il y a une tentative de prise en main politiquement par les pouvoirs en place. Et donc, beaucoup de Cheikhs, qu'il faut saluer, résiste aujourd'hui à ce que le pouvoir mais en place qu'on entend leur imposer. Mais celles qu'on entend et qu'on voit généralement, comme celles qui ont accueilli Cheikh Khalil à bras ouverts. Celles qu'on entend dans les médias officiels. Dans les médias officiels, voilà. Et qui ont fait, ce fut une outrance de Chita, se sont étalés de tout leur long, au point où ils ont suscité un dégoût, un écœurement massif au sein de la population. Bien sûr. Mais c'est quand même symboliquement quelque chose d'assez intéressant. Si on regarde d'un point de vue vraiment une analyse psychologique, psychosociologique, ils organisent des grandes pompes devant des Zawiya. En fait, quelque part, c'est une mort politique. C'est une mort sociale. On voit comment... on aurait fait exactement la même chose pour les pompes funèbres. Donc, emmener Cheikh Khalil et Bouteflika avec ce tintamarre devant des Zawiya, devant ces chikhs-là, symboliquement, c'est signifier leur mort sociale, leur mort culturelle, leur mort politique particulièrement. Aujourd'hui, les Algériens n'y croient plus à rien de ce qui vient justement d'en haut. Aujourd'hui, on sait que les Algériens ne sont plus dupes. Et ils ont beau organiser des folklores de ce genre, ça va exactement. Folklore, c'est vraiment le mot, hein, quand on voit le baroud, oui, les chevaux, la fantasia, les danses du ventre. À l'inverse de ce qui est attendu. Parce que les Algériens ont l'expérience de la manipulation et donc ils savent à quoi s'en tenir. Zoubida Soul, d'abord, au sujet de cette grosse paralysie d'Alger dont on nous parle, vous qui êtes à Alger, est-ce que c'est vrai que Alger a été quasiment paralysé, que des dizaines de milliers de gens n'ont pas pu se rendre à leur travail, que tout autant de gens n'ont pas pu vaquer à leurs affaires courantes ? Ah, je vous le confirme. Moi-même, ce matin, j'ai mis 3 heures pour aller de chez moi jusqu'à mon cabinet. Donc, vraiment, Alger était aujourd'hui particulièrement bloqué. Et personnellement, je m'attends toujours, on reste toujours des rêveurs. On se dit peut-être que le pouvoir un jour va se réveiller et de dire il faut trouver d'abord des solutions aux problèmes des Algériens, des problèmes dans le problème de la circulation. Nous avons un pouvoir qui est là depuis 20 ans et qui a eu un argent fou et qui n'a jamais pu régler le problème de transport en commun, ce qui fait que tous les Algériens sont obligés d'acheter des véhicules parce qu'il n'y a pas les transports en commun qui peuvent aider les citoyens à se déplacer entre leur maison et leur lieu de travail. Bien au contraire, nous n'avons pas de feu de régulation de la circulation. Nous avons des flics, même à la capitale. C'est-à-dire que vous avez... Zoubida Soul, quelques petites précisions. D'abord, au sujet du transport en commun, vous êtes en train de nous dire qu'ils ne sont pas suffisants à Alger, par exemple ? Mais bien sûr, non seulement ils ne sont pas suffisants, mais toutes les communes et les quartiers d'Alger ne sont pas desservis de la même manière.
Ça, c'est une réalité. Tout le monde, nous, on vit ici, on vit sur place, et je ne peux pas vous décrire la difficulté quand on doit se déplacer de chez nous jusqu'à aller travailler ou vaquer à nos occupations au quotidien. Donc, du coup, voilà, Alger se retrouve complètement étranglé par la circulation, la mauvaise signalisation, le manque de feux de régulation de la circulation. Et en plus, quand un chef de l'État sort pour une sortie comme ça, c'est avant sa sortie, pendant sa sortie et après sa sortie. Donc c'est toute la journée qu'on est bloqué. Pour en revenir aux Zawiya, est-ce que... d'abord, quelle est votre lecture de ce déplacement de M. Bouteflika pour aller inaugurer une Zawiya, entre autres, hein? Et ensuite, est-ce que le régime est en train de nous dire que les Zawiya sont des partenaires sociaux, à la limite des partenaires politiques, au même titre que tous les autres qui sont à la mangeoire, au râtelier? Merci beaucoup pour votre question, parce que c'est ça le fond du problème. Je voudrais juste, avant de répondre, un peu réagir sur ce qu'a dit Hassan Hirsch dans sa présentation sur l'historique des Zawiya. Pendant la période coloniale, effectivement, les Zawiya ont servi, comme pendant toute l'occupation, ont servi de manière à sauvegarder l'identité et l'unité nationale. C'était ça, en fait, les Zawiya, la résistance des Zawiya, c'était dans cet objectif-là. Mais à partir du moment où nous avons construit un État, ça veut dire que c'est un État moderne, où il y a des institutions, aujourd'hui nous avons des écoles, nous avons des instituts, nous avons des universités, et nous avons des partis politiques, nous avons la société civile. En principe, l'État moderne doit fonctionner avec les nouvelles formes modernes de l'État de droit. C'est ça. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que malheureusement, nous revenons à une utilisation politique des Zawiya. C'est une manipulation politique. Et les Zawiya ont connu, en fait, une réhabilitation avec FAST depuis le deuxième mandat du président Bouteflika. La chose que les Algériens ne connaissent pas, et moi-même en premier, c'est que nous ne savons pas comment ces Zawiya sont financés. Par qui ils sont financés? Il n'y a aucune transparence. D'ailleurs, si vous avez remarqué tout à l'heure l'inauguration, c'est vraiment FAST, quoi. C'est 5 hectares. Franchement, avoir 5 hectares, moi j'aurais souhaité une université, un grand institut, une grande entreprise pour créer de l'emploi à nos jeunes universitaires qui sont au chômage. J'aurais aimé que ça soit le cas. Je n'ai rien contre les Zawiya, mais ma foi, il y a des priorités. Quand vous avez une jeunesse, des milliers de jeunes qui sortent de nos instituts, de nos universités et qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective, et que vraiment on va pour inaugurer une Zawiya, moi je me dis que c'est un pacte entre le pouvoir politique et le religieux à travers les Zawiya. Mais Zoubida Assoul, pour que ce régime, on arrive à recourir aux confréries religieuses, les Zouis, il a essayé avec Chakib Khalil, pour essayer de le faire adouber Zama Zama, par le pays profond, par l'Algérie d'en bas, celle qui est toute pâmée à attendre que Chouyour lui dise qui voter, où aller. Et pourtant, ça n'a pas marché. Ils ont tout fait, lui ont fait visiter un nombre incalculable de Zouis. Ça n'a, au contraire, ça a compromis leur projet et ça a enfoncé Chakib Khalil encore plus qu'il ne l'était. Alors, où est l'intérêt de ce régime de recourir à des Zawiya qui n'ont plus aucune audience, très visiblement? Oui, parce que d'abord, le pouvoir se trempe lourdement quand il croit que l'Algérie, c'est les Zawiya, ou que les mecheikhs des Zawiya, ou les Muqaddam, ou on peut les appeler comme on veut, ils ont de l'emprise sur la jeunesse. Il ne faut jamais perdre de vue que l'Algérie, en termes de population, il y a 70% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc la majorité du peuple algérien sont des jeunes. Et les jeunes aujourd'hui,
Ils ont une autre vision, ils sont dans l'universalisme, ils ont une vision de vivre comme tous les jeunes de leur âge dans les autres pays du monde, dans, sous d'autres cieux ou dans d'autres contrées. Donc ils rêvent à avoir un bon niveau, à avoir un bon diplôme, à avoir un bon job, à vivre dans un cadre de vie agréable, à pouvoir voyager, à accéder à l'information, à accéder au pouvoir, pourquoi pas. Donc ces jeunes-là, les Zawiyas, n'ont aucune emprise sur les jeunes. Donc ça, c'est la première, mauvaise interprétation du pouvoir des choses. Parce qu'ils croient que l'Algérie de 2018, c'est l'Algérie des années 60, juste après l'indépendance. Ils se trompent lourdement. Le deuxième élément, c'est que ce pouvoir-là, encore une fois, le peu de choses qui restent dans cette société, ils sont en train de le casser. Comment peut-on admettre au XXIe siècle qu'un président de la République, c'est-à-dire méprise les partis politiques, c'est carrément une gifle pour les partis politiques. Il ne reconnaît pas les partis politiques, il ne reconnaît pas la représentation nationale, même si elle est issue de fraude, mais quand même, elle est là, elle est inféodée au pouvoir, mais même ceux qui sont là et qui plaident pour ce pouvoir-là, il ne les reconnaît pas. Vous voyez ? Et donc, il veut aller vers les Zawiyas pour se donner une légitimité. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est vraiment de l'agitation. Ce pouvoir-là, s'il était sûr qu'il avait le peuple derrière lui, je pense qu'il n'avait pas à faire ce type de comportement, parce que les Algériens ne sont plus dupes. Tant mieux pour nos concitoyens qui comprennent très bien les choses et qui accèdent maintenant à l'information à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et les autres télévisions à l'étranger. Et donc les gens comprennent très bien et les citoyens algériens ne sont pas moins intelligents que les autres. Restez avec nous, Zoubida Assou, je reviens à vous dans un moment. Hassan Hirsch, avant d'en arriver à la grande mosquée, parce que ce n'est pas un hasard, Bouteflika a fait les Zawiyas et la grande mosquée. Ça veut dire qu'il veut mettre il veut, ceux qui sont derrière lui, qui l'utilisent comme façade, veulent utiliser les deux. L'islam populaire et l'islam officiel. Voilà. Avant d'en arriver là, je veux vous montrer une image de Bouteflika pendant cette sortie. Vous allez nous dire, et j'espère que Zoubida Assou aussi est devant son téléviseur, vous allez nous dire si l'image est parlante, si on a besoin de médecins. Ou alors si cette image ne nécessite pas, enfin, que ce fameux Conseil constitutionnel les regarde un peu et se dise « tous les Algériens sont en train de regarder ces images, nous ne pouvons plus faire semblant, nous ne pouvons plus appeler le monsieur, là, comment il s'appelle, Ould Abbas, venir nous raconter des salades, regardez seulement ces images, mais je vous demande de bien les regarder, c'est tout ». Voilà, vous voyez là le président bouche ouverte, apathique, perdu dans je ne sais quel imaginaire, incapable de fermer la bouche. Et voilà, fatigué. Il ne sait pas, peut-être qu'il ne sait même pas où il est, qui il est, ce qu'il fait. Regardez. Regardez. C'est à faire pleurer. Hein. Cet homme fait pitié. Cet homme fait pitié. C'est un otage. Il est en train de faire la prière, là. D'invoquer le Seigneur. Regardez. Regardez. Hassan Hirsch, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de telles images ne suscitent-elles pas de l'indignation? Que les Algériens disent « basta, ça suffit ». C'est quoi? C'est de l'indifférence? C'est les gens sont débranchés? Ils se sentent plus concernés? Qu'est-ce qui se passe? Très honnêtement, moi j'assiste à une scène d'humiliation. Oui. Là, on humilie l'être humain. Abdelaziz Bouteflika, en tant qu'homme, et en tant que chef d'État, il est humilié. Maintenant, est-ce que justement c'est le but
parce que lui, il n'a pas été tendre avec les différentes équipes. Mais c'est son frère qui le tient en otage, entre autres. Mais enfin, son frère, il peut être aussi manipulé par les gens autour. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais ici, très honnêtement, puisque vous me demandez ce que je pense des images que l'on vient de voir du président, ce que je pense, c'est que c'est un homme qui n'est pas présent là où on veut le mettre et qui est extrêmement malade, qui a un regard hagard et qui, effectivement, comme vous le disiez, bouche ouverte et qui ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire de lui. Et donc, je considère franchement qu'on est en train d'humilier un président, un homme, une Algérie, un peuple, et on est en train de dégrader la place de l'Algérie, qui est déjà mise à mal depuis un certain nombre d'années maintenant, face aux Américains, face à l'Arabie Saoudite particulièrement. On voit par exemple ce qui s'est passé en Palestine. Moi, je profite justement de cet instant pour m'incliner devant les victimes de Palestine. On voit aussi le traitement qui est fait à un homme comme Abdennour Al-Yahya, qui devrait normalement avoir le prix Nobel de la paix et qui lui aussi est maltraité. Donc c'est un pouvoir aujourd'hui qui est totalement, comment dirais-je, sans pitié, machiavélique. Et on dirait même suicidaire à la limite. Parce que ça ne peut pas marcher, je ce genre de choses. Je ne dirais pas suicidaire, parce que derrière... Et ça va finir par se retourner contre armée, lui. Ils ont de l'argent, ils ont... Oui, mais... ils ont la police. Ils n'ont plus l'argent et l'armée et la police, ça s'entretient. Sinon, ça risque de vous bouffer. Voilà, donc, malgré tous les échecs dont a parlé Zoubida Hassoul il y a un instant, et dont elle parle très souvent, et a raison, évidemment, malgré les échecs en matière... d'agriculture, en matière d'industrie, en matière d'éducation, en matière d'enseignement supérieur, en matière de relations internationales, etc. C'est un échec global. Un naufrage, quasiment. Un naufrage, absolument, c'est le mot. Et on assiste à un président, on fait la publicité à Mercedes, donc on voit la grosse bagnole allemande, là, bon, on voit bien qu'on n'utilise pas la symbole fabriqué en Algérie, malgré le symbole, c'est pour le petit peuple. Voilà. Donc, mais tout ça a un sens, évidemment. Hein, je veux dire que il y a une Algérie avec un premier collège. On voit l'aéropage autour de ce président. On voit comment la capitale a été bloquée pour une simple sortie. Hein. Dans une simple zone. Imaginons dans une capitale occidentale, à Paris, à Londres. Bloquée pour aller inaugurer une paroisse ou une abbaye. C'est impossible. Ouais. Le lendemain, tout le gouvernement s'écroulerait. Et donc aujourd'hui, on est dans une mise en scène. En fait, la politique algérienne est devenue une espèce de chorégraphie. On utilise un président inamovible, on utilise son portrait, du reste. Mmh. Donc, tout cela est chorégraphique. C'est vrai que son portrait, maintenant, il le représente un peu partout, dans les stades, dans les cérémonies. Des mises en scène. Et il vient inaugurer une mosquée, une grande mosquée qui a coûté énormément d'argent. Il n'a pas inauguré, il a fait une visite d'inspection. Elle n'est pas finie. Tout à fait. Il a inauguré la Zawiya. Absolument, merci de me reprendre. Une grande mosquée... un lieu supposé être une maison de Dieu, mais qui a été fabriqué par des non-croyants, des athées, des bouddhistes, des Allemands, des Canadiens, des Chinois. Je me demande d'ailleurs si cette mosquée doit être halal, dans la mesure où elle n'a pas été construite par des musulmans, Toutes les grandes mosquées des grands pays musulmans ont été construites par les autres. L'Arabie saoudite même. Une utilisation... Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire, je m'excuse. Je ne pense pas. Je crois que vous faites une interprétation un peu osée, j'allais dire. Écoutez, pourquoi pas? Oui, évidemment. Si nous, en tant que musulmans, on n'est même pas capable de construire notre lieu de culte, franchement, il faut quand même qu'on se pose des questions. On n'est pas capable de produire une aiguille. Alors, une aiguille
à voilà. coudre. Donc, un système totalement intégré. Oui, et puis on a vu la personne là qui faisait l'apologie de cette mosquée. Oui, qui va rayonner sur le Maghreb, sur la Méditerranée, sur oui, ceci, en sur réalité, le monde. En réalité, ouais. c'est le minaret qui a été construit par Lafarge. Oui. J'insiste là-dessus. Mmh. qui a été construit par Lafarge, qui dépasse. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce qui dépasse d'autre. Ouais, ouais. Mais enfin, s'il doit dire ça de cette mosquée... Des choses absolument magnifiques. Il devrait dire la même chose de la mosquée de Hassan II à Casablanca. Oui, ouais, mais peut-être qu'elle a été construite pour question d'égo, hein, d'égo qui s'affronte. Zoubida Assoul, avant d'en arriver à ce qu'il convient de faire, où est-ce qu'on va comme ça, et ce qui va se passer au sujet de cet état de santé de Bouteflika qui ne parviennent même plus à cacher, malgré toutes les précautions qu'ils prennent. Ils ont interdit à quiconque de prendre des photos, encore moins de filmer, de sortir son téléphone personnel. Ils ont tout fait, ils ont choisi des images, et pourtant les images qu'on a vues, elles étaient tout simplement atroces. Qui nous montrait un homme complètement absent, la bouche ouverte, peut-être en train de saliver. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoubida Assoul ? Jusqu'à quand allons-nous comme ça pour un monsieur, d'ailleurs, dont il parle de le représenter à un cinquième mandat ? Oui, moi je l'ai déjà dit, cette image-là et ces images-là depuis la maladie du président, depuis 2013. C'est infligeant pour lui, pour le peuple algérien, pour l'État algérien, pour la dignité de tous les Algériens, parce qu'après tout, c'est le président de tous les Algériens, c'est le président de la République, c'est le sommet de l'État, il représente l'Algérie à l'intérieur et à l'étranger. Donc, moi je l'ai déjà dit, c'est presque une atteinte aux droits humains, d'un être humain d'abord, qui est le président. En plus, c'est une atteinte envers le pays lui-même, sa valeur, sa dimension régionale, sa dimension internationale. Comment peut-on faire subir à l'Algérie un tel affront ? C'est inacceptable, c'est inhumain et c'est presque, j'allais dire, une trahison vis-à-vis de la nation. C'est pas possible qu'on puisse laisser faire des choses pareilles. Maintenant, écoutez, le président, vraiment, moi je le plains en tant qu'humain. Je l'ai toujours dit, je le confirme encore aujourd'hui. Ce qui reste à nous, politiques, citoyens algériens, les élites, on doit tous s'unir pour dire qu'il faut arrêter cette mascarade. Ce n'est plus possible que ça continue comme ça. Le pays a été bloqué pendant le quatrième mandat. Et en plus, nous avons des gens, des charlatans, qui encore osent dire qu'on va parler d'un cinquième mandat ou d'un autre mandat. Mais justement, Zoubida Assoul, excusez-moi de vous interrompre, Zoubida Assoul. Justement, Wild Abbas, Jamal Wild Abbas, il est omniprésent, il est partout, tout le temps, en train de dire des choses absolument incroyables, hallucinantes, ahurissantes. Nous a dit qu'en 2019, ça ne fait pas de doute, ils vont emporter les élections. Et on se demande donc pourquoi faire ces élections, puisque le FLN va l'emporter haut la main, nous dit-il. Mais il dit plus que ça. Il dit même après 2019, les élections seront remportées par nos fils et nos petits-fils. Il n'a même pas dit, heureusement qu'il n'a pas dit nos arrière-petits-enfants. Il a dit « Ouledna ou ouled ouledna ». Et ça n'a pas suscité la moindre réaction. Un monsieur comme Wild Abbas qui arrive, qui dit « Nous l'emporterons en 2019 ». Mais après 2019, ce sera « Ouledna » et « Ouled ouledna ». Et ça n'a suscité aucune réaction, Zoubida Assoul. Écoutez, qu'est-ce que vous allez réagir à ces Jamel à une clochardisation de la politique ? Franchement, vous croyez que ça, c'est ça, faire de la politique, des déclarations pareilles ? Ce bonhomme-là, s'il avait un peu de retenue, il parlerait pas comme ça. Parce qu'il est en train d'enfoncer le pays dans cette médiocrité et dans la tricherie et tout ce qui se dit autour des élections.
Ça veut dire que ce bonhomme-là, ils ont eu la majorité, soi-disant, entre parenthèses, de même pas 20% des électeurs, parce qu'il y a plus de 24 millions d'électeurs et d'électrices en Algérie, ils ont eu la majorité, soi-disant, entre parenthèses, à 1 600 000 voix. Il y avait 1 700 000 bulletins blancs. Ça, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Et après toutes les tricheries et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il ose encore dire que 2019 et après 2025 et 2034, il a même dit que lui-même allait vivre jusqu'à 2034. Oui. Alors franchement, vous croyez que ça mérite vraiment qu'on réagisse à de telles déclarations absurdes? Mais on ne peut pas ne pas réagir, Zoubeïda Essaouid. Tout à l'heure, Hassan Hirsch avait dit on assiste à de la chorégraphie. J'aurais aimé que ce soit de la chorégraphie, parce que dans la chorégraphie, il y a quelque chose d'artistique, de beau. Non, moi j'appelle ça des clips. Ce sont des clips qu'ils font et qu'ils vendent aux citoyens algériens qui ne sont plus dupes, qui connaissent la réalité, qui sont conscients des enjeux, et l'heure est grave. Au moment où les médecins résidents se font tabasser par la police, quand ils font une marche pacifique pour revendiquer des revendications socioprofessionnelles, quand nos hôpitaux sont complètement, mais alors anéantis avec ces grèves qui ont duré plus de 6 mois, au lieu de trouver des solutions aux problèmes des Algériens, aux malades, aux médecins, ils trouvent le moyen de nous parler des élections qu'ils vont gagner d'ici 20 ans et 30 ans. C'est vraiment absurde et ça ne mérite pas, franchement. Moi, personnellement, en tant que politique, je me dis que je n'ai pas le temps à consacrer et franchement, à réagir sur des déclarations. Mais faire quoi, alors, Zoubeïda Essaouid, si des hommes politiques et des femmes politiques comme vous considèrent qu'il faut avoir de la hauteur, s'élever au-dessus de ces débats d'arrière-garde, de bas quartier, ce sont eux qui ont les manettes, soit ils sont les porte-paroles et les périphéries du pouvoir. Si on ne s'occupe pas d'eux, qu'on ne leur réponde pas, qu'on ne réagisse pas à leurs outrances, faire quoi alors? Observer, se taire, s'indigner en silence? Non, on n'observe pas, on ne se tait pas. Nous, on a notre mission en tant que politique, c'est d'expliquer à nos concitoyens et concitoyennes la gravité de l'heure. Qu'aujourd'hui, il faudrait que tous les Algériens et Algériennes se mobilisent pour sauver le pays de ces gens-là qui sont là pour carrément dilapider les deniers publics et pour mettre le pays à genoux. Et ce n'est plus possible. Il faudrait que c'est notre responsabilité. Nous, en tant que politique, on va vers les citoyens, on explique. Oui, on mais se mobiliser comment? Zoubeïda Essaouid, vous demandez aux citoyens de se mobiliser. Eux, ils vous répondent tout de suite. Ils vous disent d'accord, maître Zoubeïda Essaouid. Mais on se mobilise comment? Qu'est-ce qu'on doit faire au juste, concrètement? Expliquez-nous. Ah ben, je vous explique, comme je l'explique à tout le monde, je passe mon temps à le faire à travers les émissions de télévision, à travers les rencontres que nous faisons, à travers les conférences de presse que nous faisons ou les déclarations dans les organes de presse. Aujourd'hui, il faudrait premièrement que tous les Algériens, sans exception, tous les gens en tout cas patriotiques, qui ont l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout et qui n'ont pas d'intérêt personnel et qui veulent sauver l'Algérie pour l'intérêt des générations futures, c'est pas pour nous. Donc ces gens-là, il faudrait qu'on se mobilise pour dire il faut pas qu'il y ait un cinquième mandat. Et moi, vous le savez si jamais, c'est dans l'écrit et c'est là, j'ai été parmi les premiers chefs de parti qui avait dit non au cinquième mandat. D'accord, mais s'ils sont d'accord... La deuxième des choses, oui. C'est que si jamais ce pouvoir encore va s'entêter et va encore nous présenter quelqu'un du clan, il faudrait que tous les Algériens se mobilisent pour ne pas voter sur ces gens-là. Ah, il faut faire carrément une rupture totale avec ce système-là. Il désobéissance, faut revoir et bâtir un désobéissance civile. Désobéissance civile. Pardon? Est-ce que vous appelez à une désobéissance
civil en cas où les prochaines élections seront, comme d'habitude, contrôlées par le régime qui désignera le président qui devra être élu, élu entre guillemets. Ils n'ont pas le droit de désigner, c'est à nous de dire, c'est à nous, le peuple algérien, de choisir le ou la présidente mais que nous voulons. Mais ils l'ont toujours fait, Zobeida Achour. Selon notre choix. Ils l'ont et toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Forme, si jamais. Il n'y a pas une seule forme. Les Algériens peuvent manifester leur mécontentement et leur rejet de ce système en décidant, par exemple, de rester chez soi et qu'aucun Algérien ou Algérienne ne sorte de chez lui. On le fait un seul jour. Ce système va tomber. On n'a même pas besoin de sortir dans la rue parce que, vous savez, il y a tellement de manipulations qu'il risque d'y avoir grabuge et d'imputer ça, encore une fois, d'imputer ça à l'opposition ou aux gens qui ne veulent pas de violence en Algérie, qui veulent reconstruire l'État algérien et qui veulent redonner la parole au peuple algérien. Donc on peut, par exemple, rester chez nous, tous les Algériens, on se donne le mot, de ne pas sortir un jour. Mais là, c'est la désobéissance civile dans toute son ampleur. C'est ça la désobéissance civile. Oui, bien sûr. La désobéissance civile est toujours pacifique. Désobéissance civile, ça veut dire le peuple se démarque. Il refuse d'obéir à un régime qui ne le représente plus. Il se démarque de façon pacifique. C'est ça la désobéissance civile. Absolument. Restez avec nous, Zobeida Achour. Je reviendrai à vous pour le mot de la fin. Hassan Hirsch, sur ce sujet justement, comment faire? Parce qu'il faut dire une chose, ce régime n'est pas suicidaire. Il ne va pas partir comme ça, puisqu'il refuse même une transition. Même la transition, il la refuse. Alors que la transition pourrait lui assurer 5 ans à 6 ans de tranquillité pour partir doucement, pour ne pas être inquiété, pour s'arranger, pour négocier un peu, pour ne pas être poursuivi. Même ça, il refuse. Lui, il veut garder le pouvoir, tout simplement. Il ne veut pas partir. Donc, il n'est pas suicidaire au point que pour les prochaines élections présidentielles, il va laisser quelqu'un d'autre être élu. Alors que lui, il contrôle la machine électorale, les services de sécurité, l'administration, et que de 62 à ce jour, il n'y a pas eu un seul président qui a été élu par le peuple. Oui, mais de mon point de vue, le pouvoir reste quand même suicidaire. Oui. Dans quelle mesure il reste suicidaire? C'est-à-dire qu'il va entraîner tout le monde avec lui. C'est ce qu'il est en train de faire, absolument. C'est exactement la même attitude qu'on a observée en Tunisie, en Libye, en Irak et qu'on observe aujourd'hui en Syrie. Et ça se reproduit en Algérie. C'est-à-dire qu'ils font comme si l'Algérie était dans une autre planète, qu'elle n'est pas dans un processus mondial, un processus de globalisation où les mêmes causes produisent les mêmes effets. On peut assister à une dégringolade à un moment ou à un autre où l'implosion est tout à fait possible, comme en 88, et puis ça peut être multiplié par je ne sais pas combien, et l'Algérie reste donc en danger, et ce pouvoir reste fragile. Je pense que plus ce pouvoir a peur, plus il s'arc-boute dans ses attitudes, dans ses manières de faire, dans sa psychorigidité, parce que nous avons affaire à un président psychorigide, nous avons affaire à des dirigeants psychorigides qui n'entendent absolument rien. C'est un autisme politique auquel on assiste depuis 1962, mais particulièrement depuis une vingtaine d'années maintenant. L'heure est venue au changement. Je pense que... Comment est-ce que, comme Zobeida Achour, vous pencheriez vers une résistance sous forme de désobéissance civile? Il faut mettre tous les fers au feu. D'abord, personnellement, je rends hommage à des personnes comme Zobeida Achour, comme Sofiane Djilali, comme Hossein Belabbès. D'ailleurs, ces modernistes-là, ils devraient s'entendre, ils devraient s'unir, faire quelque chose, au moins montrer aux Algériens qu'il est possible justement de dialoguer, qu'il est possible de dépasser ses égaux et qu'il est possible d'entrevoir une perspective en commun. Peut-être justement que ces personnes comme Zobeida Achour, Sofiane Djilali, Mohsen Belabbès peuvent donner exemple et dire aux Algériens, la situation n'est pas désespérée, on peut se battre.
et appeler les Algériens à rentrer dans les partis politiques, dans les associations, dans les ligues des droits de l'homme, dans les syndicats, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à Bougie, comment des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont venues protester contre l'injustice faite à Cévital, où on empêche des projets économiques dans un pays qui en a tellement besoin, c'est absolument aberrant, invraisemblable, c'est vraiment contre-productif, ça va contre les intérêts du pays, contre les intérêts des travailleurs, contre les intérêts des jeunes, c'est absolument inexplicable l'attitude du pouvoir aujourd'hui. Donc, appeler les Algériens, comme ils le font d'ailleurs, mais multiplier encore les appels, mais donner l'espoir en se mettant d'accord sur un certain nombre de points, des réformes absolument nécessaires, et puis appeler effectivement ensemble cette élection à la boycotter totalement si le régime faisait le même principe. Pourquoi vous en doutez? C'est quand vous dites si le régime, vous savez très bien qu'il va le faire. Il va le faire. C'est le cinquième mandat, soit c'est un personnage quelconque qu'il va désigner comme simple façade présidentielle, comme cela s'est toujours fait. Il attend la réaction des Algériens. Mais il le fera, quelle que soit la réaction des Algériens. Je suis entièrement d'accord que son objectif, c'est de le faire. Oui. Son objectif, c'est de pérenniser ce système qui broie le citoyen, ce système qui est en train de décomposer l'Algérie, de faire de ce pays-là une miniature face aux voisins, face à l'échiquier mondial. Zoubida Assoul. Appeler encore une fois des personnes comme Zoubida Assoul, comme Sofiane Djilali, comme Mohsen Belabbas à s'unir la main dans la main, au moins sur quelques points essentiels. Zoubida Assoul, le mot de la fin vous revient en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, absolument, c'est Jamel. Je réponds à c'est Hassan Hirsch pour lui dire effectivement, nous travaillons, il y a des contacts. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Sofiane Djilali, on a discuté, on est en train de discuter, d'élargir pour essayer d'arrêter une feuille de route sur. Comment peut-on sauver l'Algérie? C'est-à-dire l'essentiel, c'est que nous, on se met d'accord sur des objectifs précis pour sauver le pays. Ce n'est pas pour nos personnes respectives. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord de sauver l'Algérie et de se mettre d'accord sur des objectifs bien précis. Comment le procéder, comment faire les choses, les priorités, les échéances à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons besoin de l'aide de tous les Algériens parce que vous me donnez l'occasion. Je fais appel à tous les compatriotes algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'extérieur, notre diaspora, qui sera d'un grand apport justement dans le sauvetage de l'Algérie. Nous avons besoin de leur technicité, de leurs compétences, de leur savoir-faire. Et ils seront là pour nous aider justement à relever ce défi. Et je suis très optimiste. Merci Zoubida Assoul, merci Hassan Hirsch. Dommage que nous n'ayons pu avoir Abdelwahab Jabbar. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voulais juste rappeler aux gens qui habitent Paris que demain se tient une très grande manifestation en place du Trocadéro à Paris, en faveur des Palestiniens qui sont en train de subir l'enfer en ce moment. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Pour Al-Akhir, Bissalama.